Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir du bouclier avec une méduse, un poisson bouclier ou un bleuvageon. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Voilà, juste à côté de la bamboche. Juste là, et là vous allez pouvoir commencer à pêcher. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ma technique, vous pouvez trouver des bleuvageons un peu n'importe où sur la map de Fortnite, hein, en ouvrant des coffres ou en ouvrant des machines à glaçons, etc., qui sont près des pompes, etc. Mais voilà, moi ce que je vous conseille quand même pour faire le défi, c'est de venir ici, de prendre une canne à pêche et de pêcher tout simplement dans les coins de pêche pour essayer d'attraper des méduses, des poissons boucliers et des bleuvageons pour faire votre défi. Ok, donc voilà, regardez, là j'ai pêché pendant, enfin j'ai fait que 2 trous de pêche et j'ai obtenu 3 bleuvageons, 4 bleuvageons, un poisson bouclier et une méduse. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de les consommer pour obtenir 200 points de bouclier pour terminer le défi. Donc là, bien évidemment, quand vous allez les consommer, donc là c'est 20 la méduse, le poisson bouclier c'est 50 et le bleuvageon c'est 40. Donc là, avec les 3 autres poissons bleuvageons que j'ai, eh ben, ce sera suffisant. Mais le problème, c'est que maintenant, je suis à 100% de chez lui. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous laissez attaquer par des loups ou par d'autres joueurs. Hein, et dès qu'ils vous infligent 42 dégâts, voilà, vous mangez un bleuvageon. Enfin, vous mangez un poisson bouclier ou une méduse, jusqu'à temps d'obtenir les 200, les 200 points de bouclier obtenus en mangeant des bleuvageons ou des méduses ou des poissons boucliers pour terminer le défi. Et dès que ce sera fait, ben, vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!